quoi. Il existe aujourd'hui deux façons de faire de l'électricité à partir du soleil, le photovoltaïque et une technologie beaucoup moins utilisée qui est le CSP, Concentrated Solar Power. Grosso modo, un système suit le soleil de façon à ce que le rayonnement solaire soit concentré sur un tuyau. Dans ce tuyau, on fait circuler un fluide et ce fluide va tout simplement animer une turbine qui génère de l'électricité de la façon la plus classique qui soit. Nous pouvons, à partir du CSP, de cette idée de concentration de la chaleur du rayonnement solaire, faire soit de l'électricité, soit désaliniser de l'eau, soit simplement récupérer la chaleur pour des douches ou n'importe quel usage qu'il pourrait y en avoir dans l'agroalimentaire, ou avoir du froid. Le CSP est adapté aux endroits extrêmement chauds. C'est pas sans raison que d'ailleurs les CSP aujourd'hui implantés sont implantés dans les endroits les plus chauds des États-Unis, du Maroc ou des Émirats Arabes Unis. Les deux principaux éléments qui empêchent le développement du CSP, c'est un problème de ticket d'entrée, puisqu'il se chiffre par plusieurs milliards de dollars, et un problème de surface occupée. Ils ne savent pas faire du CSP aujourd'hui sans utiliser plusieurs vingtaines d'hectares, trentaines d'hectares. Nous voulons proposer une solution qui permettra d'implanter de petites unités facilement sans faire autant de travaux qu'aujourd'hui il est nécessaire de les faire pour le CSP. Et surtout, on met cette technologie à portée de tout le monde.